Toi, t'es une corniche. J'ai une corniche cabriolet. Ah, corniche, t'es pas vieux, c'est extraordinaire. Moi, je vois. Putain de ma grandeur. Une Silver Shadow rose pour aller faire les courses à Carrefour. Ah. C'est un lettré, car je rappelle que la famille Kariotakis, descend d'un fameux poète grec, mort malheureusement dépressif. On a eu des trucs. Henri, tais-toi. Après des enquêtes un peu poussées, il n'y a pas de preuve réelle. Néanmoins, il est mort dépressif et nous sommes allés sur sa tombe nous recueillir lors d'un passage en Grèce. Il est mort dans un bordel, comme le bon cardinal des Zénon. Henri, tais-toi. Mais soit tu fais un discours, soit tu fais un texte. J'ai des références historiques. Tout ça, c'est des mots grecs. Bon. Bref, ce qui est important, c'est que premièrement, après avoir abusé pendant une bonne quinzaine d'années des libéralités de la mairie communiste de Genève, du communautarisme au stade du capitalisme. Oh, wow. Ça, c'est pas bête. Je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau temple du capitalisme. Ah, tiens, j'aime pas le temple. Je tiens néanmoins à préciser qu'après avoir pensé qu'un bardage rouge eût été plus joli, j'ai choisi de faire dans la discrétion. Le bâtiment est magnifique. Il manque peut-être un petit peu de paillage ou un peu de treille façon grecque, comme le suggérait d'ailleurs Dany dans son dessin. Bacchus sans la treille, ça n'est rien, mais je vais m'y employer. Je parle toujours de la place d'Henri, premier Kariotakis. Bon, par ailleurs, grâce à vos cadeaux, que cet environnement est désormais vert, rouge, vert, bon, bref. L'écuménisme, encore un mot grec, et ma marque de fabrique. Le seul souci, mes babettes en est occupées, il faut l'arroser. Non, alors, c'est automatique. Vous constaterez qu'il y a non seulement des capacités à arroser, mais les minuteries qui permettent ainsi d'éviter de réveiller Babette au milieu de la nuit, car vous savez tous qu'un bon arrosage se fait dans les périodes où les autres dorment, surtout le matin très tôt, ou le soir très tard. Comme je ne souhaitais pas amputer sur mes nuits, j'ai choisi d'investir. À crédit, on dit Pascal, à crédit. Tais-toi. Je laisserai de côté les 2-3 voitures que vous avez pu examiner dans le garage. Des emprunts. Qui reste quand même la partie la plus importante de la maison. Ça, c'est vrai. Je ne reviendrai pas sur l'amputation à mon
contre mon gré, de la surface de cave que j'avais prévu infiniment plus importante. Et encore, je me suis battu. Et en vrai, il semblerait que la buanderie, pour des raisons que j'ignore, soit venue manger sur ce morceau de cave que j'avais néanmoins âprement négocié. Et au demeurant, j'avais prévenu tous mes amis du fait qu'ils allaient désormais se trouver devant une cave voûtée, avec des tonneaux partout. Bon. Le résultat est sans conteste. Bon. Encourageant. Non, pas encourageant, parce que, soyons objectifs, je ne pourrais pas faire mieux, sauf à casser les murs, ou à transformer la fosse à vidange, en cave souterraine, façon grande époque. Néanmoins, je suis très heureux de vous accueillir. Il ne vous échappera pas que l'olivier que vous avez eu la gentillesse de m'offrir est quand même le symbole de mon hellénitude. Même si Henri, il ne vous échappera pas que c'est un prénom royal. Ah oui, c'est vrai. Ségolène Royal. Je n'en dis pas plus, j'ai affaire à des érudits. Car je vous rappelle que c'est l'un de mes sujets. Mais tout le monde n'est pas au courant. Les gens qui me connaissent bien savent que ce n'est pas usurpé. Jean, le figuier. Qui n'est pas un figuier. C'est pas un figuier. Le jasmin qui est là pour éventuellement contrecarrer quelques flatulences matinales. Pour être des obligeants pour le quartier. Le bambou. Oui. Qui rappellera mes aventures. Je l'appelle ma petite bourgeoise. Ma coquille. Elle est belle, elle est charmante. C'est comme un oiseau qui chante. Bon, bref, je voudrais surtout, parce que c'est quand même le plus important, remercier la personne sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Il m'arrive par moments d'être modeste. Pardon. Voir lucide. Babette n'a sans doute pas de diplôme d'architecture. Mais elle a été bien secondaire. Mais elle a conçu, organisé, réduit en ce qui concerne la partie cadre. Surtout Marine. Mais. Attends, j'en avais deux à gérer, Pascal. Le plus grand bonheur de tous. Henri, tu aurais été plus court, quoi. Ah oui. Attendez. Donc, j'en conclue. Vous avez maintenant un home sweet home qui vous appartient avec un peu de groom. Un détail. C'est mieux que devoir ne pas honorer ses loyers à l'américaine. Nous ne reviendrons pas sur ce débat. Bon. Sans les siens. Et puis surtout, on peut réunir 70 ou 80 personnes, je ne sais pas exactement. C'est bien. Donc, je vous convie de manière réitérée, à revenir. Inutile d'arriver avec la nourriture et le feu et la boisson. De toute façon, avec ce qu'il y avait aujourd'hui, il y en a pour 8 jours. Donc, prochain rendez-vous pour la fête des paix. Puisque ça sera prochainement ma fête. Et que je mérite à ce titre d'être honoré, puisque j'ai des enfants magnifiques. Et que c'est le plus beau cadeau qui m'ait été donné. Bravo! J'ai un petit mot à rajouter envers notre jeune Pascal. Donc, comme vous avez vu, j'ai sous-traité le discours, mais bon, devant ce talent, ça glisse. Donc, je suis dépositaire des commandes pour tout ce qui est mariage, oraison funèbre, enterrement, divorce. Il s'est tout fait. Merci à tous. Oui. Et puis on voudrait aussi dire merci à Marine. Lève-toi.
Debout, c'est pas debout. C'est debout. Non mais. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Nous a guidé dans cette aventure. Avec talent. Elle en met blanc rouge. Attends. Quelle vague. Bon, c'est pareil pour Marine. Je prends les commandes, moyennant une commission tout à fait honorable. Voilà. Tu n'as toujours pas honoré. Hein? Ah, c'est drôle. Voilà. Bon.